Squad, c'est Bizi, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes sur MW3 Xbox 360. Donc oui, comme je vous avais promis, un petit peu un retour sur tout ce qui est Call of Duty ancienne génération. MW3, je sais même plus où j'ai la disquette, j'aurais regardé la date, mais bon, c'est pas très très grave. Alors je sais pas du tout quelle date il est, je sais pas si c'est en 2000, non peut-être pas en 2009. Bref, on va pas se casser la tête avec ça. Donc voilà, MW3 aujourd'hui de la zone de largage, oui. Parce que je me suis dit quoi, je voulais faire une vidéo sur MW3, je me suis dit pourquoi pas, au lieu de faire une game en MMO en 2000, des trucs qu'on retrouve sur d'autres Call of, je me suis dit pourquoi pas faire de la zone de largage, parce que c'est le premier Call of Duty où il y a eu la zone de largage. Il y a de la zone de largage aussi sur Ghost, mais c'est vraiment celui-là, le premier Call of Duty où il y a eu ce mode de jeu, qui est assez sympa d'ailleurs. Je vais essayer de jouer au snipe. Et donc voilà, donc pour ce qui est de la bannière de ma chaîne YouTube, vous avez pu voir que je l'ai changé. Donc c'est quelqu'un qui me l'a fait, c'était un GFX assez talentueux. Qui m'a fait ça, ça fait un bail, c'est quand je faisais de la compétition, j'hésitais, je préférais, c'était pas trop mon style, et du coup je préférais mettre un truc que j'avais créé moi, qui est nettement moins intéressant bien entendu, et puis du coup voilà, j'ai décidé de le mettre comme ça, de changer les couleurs de ma chaîne YouTube, encore une fois oui, j'avais changé les couleurs de ma chaîne YouTube pour passer du rouge blanc au jaune et gris, mais j'ai pas trop aimé ça, du coup là je vais passer au bleu. Parce que voilà, la bannière est bleue. Donc pour ce qui est du logo The King Busy avec le B, c'est moi qui l'ai fait celui-là, parce que voilà, il m'a pas fait le logo avec, mais bon, c'est voilà, je trouve que le logo va bien avec, etc. Donc voilà, c'était tout pour ça. Aussi pour répondre à l'attente d'un abonné, donc pour ce qui est de la vidéo spéciale concours pour gagner ma burn sur Xbox 360, donc il va falloir un petit peu plus de temps, je suis désolé pour toi, tu te reconnaîtras bien sûr dans la vidéo, mais il va me falloir un petit peu plus de temps pour organiser tout ça, pour organiser l'envoi et par la poste, etc. et tout, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je te dirai vraiment quand voilà, j'annoncerai pour une vidéo avec un titre bien précis qui appelle bien la curiosité. Et donc voilà. Pour ce qui est du concours, ça c'est fait. Et puis voilà, on va essayer de jouer au MSR. Donc j'ai l'MSR et le Barrett. C'est bon, tranquille, c'est bon. Ça que c'est bon, tour de passe-passe. Après voilà, je vais pas me casser la tête avec les classes. On va commencer direct. Je sais plus si c'est dans quoi. Zone de largage. J'espère qu'il y a du monde. Je sais pas s'il y a du monde encore sur ce petit MW3. Bah si, il y a du monde. Sea Town, zone de largage. Sea Town, c'est pas trop une map que je kiffe. Une map pour les snipes aussi. Je trouve pas que c'est super intéressant. Mais bon, on va essayer de faire un truc quand même, écoutez. Je vais allumer juste la lumière qui est là, voilà, c'est beau. Un petit MSR, donc j'ai pas de comment ça s'appelle. Je n'ai pas de son. Ça fait assez bizarre, faut peut-être pas que je mette en... Voilà, couché. Bon, le MSR, franchement, voilà. C'est un snipe que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais le Barrett aussi c'est pas mal franchement. Après j'aime un peu tous les snipes. Mais sur MW3 je vous conseillerais plus de jouer sur voilà sur les bases. MSR et Barrett. Alors je ne joue pas en zone de largage au snipe. Juste pour dire, juste pour faire histoire de oui, j'ai joué au sniper, voilà, je suis un joueur sniper, etc. C'est vraiment un truc que je vous conseille aussi de faire. C'est quand vous jouez en zone de largage, essayez de jouer au snipe. Franchement, c'est assez kiffant. Franchement, c'est assez kiffant. Et il y a moyen de faire du gros carnage. Non, oh, putain, le bâtard. Je sais pas. Franchement, j'hésite à changer de game là parce que je sens que cette game va m'énerver. Déjà que j'aime pas Seaton, alors en plus en zone de largage au sniper. Ça va être un petit peu galère. Bon, on va quitter. Je sais, c'est pas grave. On a quitté, c'est pas très très grave. On va essayer de trouver une meilleure map quand même. Un petit Tardat, un Terminal. C'est nettement plus kiffant. Ah bah, Arcadine aussi, c'est kiffant. Voilà, ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça fait bizarre aussi de revenir sur les petites maps de MW3, genre MW3, etc. C'est vrai que même en dehors des vidéos, je reviens pas trop sur les anciens Call of Duty, mais je devrais certainement m'y mettre. Parce que voilà, ça fait extrêmement plaisir de changer de Call of Duty. Et voilà. Qui est-ce qui fout? Mais allez vous faire enculer. Bande de biatch. Oh non, mais putain. C'est assez galère sans le son aussi, hein, faut savoir. Je suis désolé si je galère un peu. Même un peu trop. Où il y a un mastodonte là.
Oups là, non. Oh non, c'est pas... Non. Lit marqueur de PD, je crois bien qu'il avait... C'est... Veste balistique, voilà, c'est ça. Veste balistique. Bon, j'arrive tout le temps dans les games où on se fait défoncer, ou ça se passe comment? Mon prestige, je crois pas que ça c'est prestige beaucoup. J'avais un autre compte avec lequel j'avais joué un petit peu plus MW3. Et voilà, du coup, c'est pour ça que là, je n'ai pas beaucoup. Non, mais attends, vous allez pas me dire C-Town, sérieux? Si c'est C-Town, moi je quitte indirect. Pourquoi il vote C-Town, sérieux? Lockdown, c'est mieux, j'y crois pas. C'est sérieux là? Bon, je vais essayer de quitter. Zone de largage. On va essayer. Faudrait que je ramasse des colis aussi pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Non mais non, sérieux, Citan, je peux pas. Je peux vraiment pas Citan, c'est, je sais pas. Je l'aime pas. C'est une map que je déteste le plus sur MW3, c'est affreux. Terminal. Pour cette vidéo, je voulais Terminal et il est arrivé. Nickel. On va. Je crache dans ma chambre, oui. Et alors, ça te pose un problème? C'est pas grave. Écoutez, on va essayer de faire un bon truc sur Terminal, la map du Turfu, la map qui était sur MW2, mais le remake est arrivé. Non mais dites-moi pas que c'est fini. Non mais non, arrêtez les gars. Non mais non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Oui. Oui, non. Non. Oui. Je t'ai pas eu, d'accord, au revoir. Tu me barres, moi j'en ai marre, tu m'as saoulé. Salem. C'est quoi ça? Et ce qui me fout le plus les morts, c'est que là, la game va se terminer. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, dans les vidéos, à chaque fois que je tombe sur une game, une bonne game, c'est obligé que ça soit... que ce soit sur le point de se terminer. On va quitter parce que ça a un con... Ça m'énerve. J'espère qu'on va trouver une game normale qui n'est pas commencée depuis un bail. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Deux maps de merde. Ah mais on va y arriver hein, c'est pas grave hein, parce que voilà, on a le temps, écoutez, je vais me poser sur ma chaise. Et puis on a le temps, hein. Deux maps de... Non mais C-Town, mais faut arrêter les gars, oh. J'ai une tête à jouer sur C-Town moi? Non monsieur. Même sur MW3 j'avais mis hashtag Team Bacon quand même, hein, ouais. Je savais pas. Si vous... Ah, Arcaden, ça serait mieux. Voilà, là il respecte un petit peu plus l'intégrité des joueurs, voilà. Je sais pas si ce que je viens de dire a du sens, mais c'est pas très grave. Bah du coup la vidéo va faire plus que 15 minutes, j'avais prévu de faire 15 minutes mais déjà que on galère à trouver des games comme dans... Voilà, comme dans toutes mes vidéos là pour l'instant, franchement c'est vraiment un truc qui... C'est dans toutes mes vidéos, j'arrête pas, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, je ne trouve pas de partie directement. Ou sinon tu tombes sur des games mais après la game se finit, etc. Comme Terminal, j'étais super content de tomber dessus. Mais boum, tu vois derrière, ils t'enculent parce qu'ils savent que t'es en vidéo, même si tu sais pas qu'ils savent. Je suis parti un peu en couille là. Faut que je me calme, ça va, faut que je me calme. Donc aussi, merci pour tous les abonnés qui commentent. Je sais que j'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos, mais voilà, il y avait un moment où j'avais vraiment pas de commentaires. Et je peux pas vous dire, voilà, franchement, essayez de faire des vidéos sur YouTube et quand il n'y a pas de commentaires ça fout vraiment les morts, mais quand il y a des commentaires pour dire que les vidéos sont bien, etc, etc, franchement ça fait vraiment super plaisir. Et donc voilà, je vous conseille de continuer de parler à d'autres gens pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube, mais vraiment de vous faire mettre du contenu tous les deux jours, etc, etc. J'espère que ça va payer, j'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'il y a une grande activité, interactivité entre nous, et j'espère que vous allez commenter en masse, que vous allez kiffer les vidéos. Donc pour la prochaine vidéo, je vais en profiter pour switcher sur ce sujet. Pour la prochaine vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme Call of Duty. Et puis ça sera pas mal, écoutez. Oui, non, yes, ah, d'accord. Je l'ai baisé et toi t'es là. Non mais ce qui est bizarre avec ce snipe, je vais essayer de prendre l'autre, Barrette. Ce qui est bizarre avec le MSR, ce que je trouve bizarre, c'est que on peut pas faire de trucs vides, voilà, pour le tuer, t'es obligé de bien l'ajuster. C'est pas comme avec du morse sur Advanced Warfare ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas pareil et c'est assez déstabilisant. Oh putain, il est où? Je suis un peu perdu aussi, hein, je suis désolé. Oh non! Hitmarker, j'ai fait le wellbang, tu vois, c'était vu, mais bon. Est-ce qu'une game pourrait se dérouler dans le plus calme du normal, du je ne sais pas quoi? Allez, oh putain, faut que je le tue. Il faut que je le tue.
Non. Oh non. Oh non. Oh non. Alors, désolé, hein, si je ne vais pas très bien jouer avec ce snipe, ou sur MW3 en snipe en général, hein, parce que il faut que vous sachiez que je ne suis pas très très fort au snipe sur ce Call of Duty. C'est pas un Call of Duty avec lequel j'ai squatté le snipe dès le début, du coup c'est un peu pour ça. Et donc je m'en excuse d'avance. Oh, je t'ai vu. Wow, c'est joli. Oh putain. Faut que je me cache, il faut que je me cache. Hein. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je vais voir s'il me voit pas. On va faire la fouine. Ah bah, il m'avait vu lui. Hein. Mais je t'ai eu avant. Oh putain, là ça va arriver. Là ça va arriver en masse. You got the mass, you got the mass. Je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu mais c'est tendu. Je l'ai eu mais c'est tendu. Oulala, 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 il est là, il est là, ils sont là. Ils arrivent. On va hardscope, hein, écoutez. Il me saoule, on va hardscope. On est marre. Petite grenade à fragmentation. Boum. Y'a rien. Dommage. Allez, s'il vous plaît. Allez. Y'a des gens. Y'a personne. C'est pas grave, écoutez, hein. On y va. On y va, on y va. Y'a personne. Allez. Y'a quelqu'un. Non. Alors attendez 2 secondes. Il faut que j'essaye. Non mais ah. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, à chaque fois je croyais que j'étais sur lui mais pas du tout. Ça c'est nul. Affreux. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Oh le fils de pute. Mais c'est qui campe là en plus? Faudrait que j'essaie de prendre des... Ouh, ouh. J'ai peur. J'ai peur maman, allô. Allô maman bobo. Oh oui. Oh le score shot, il est joli hein. Bah score shot un peu hardscope c'est vrai mais bon c'est pas très très grave. Pour ça. Il est où? Ils sont où? Oh putain. Non. Non dis-moi pas que je meurs. Je ne meurs pas, je ne meurs pas. Non. Oh fils de pute. Oh fils de salope. Oui. Oh putain je l'ai eu. Je sais même pas comment j'ai fait. Il y a eu un temps de réaction du jeu aussi, c'était infernal. Oh putain, je suis en sang là. Je suis en sang. Oh putain. Ah, oh je cours. Faudrait que j'essaie de prendre des colis. Bon, dès que j'ai fini ma vidéo, je pourrais sortir le chien. Donc voilà. MDR. J'sais, pourquoi je viens de dire ça? Je sais pas. J'ai eu un doute. Oui. Quoi, j'étais dessus? Oh putain. Oh mais non, j'étais dessus. Oh c'est de la zeub. Non mais attends, vous êtes bien d'accord que j'étais en train de zoomer sur lui? Enfin, je sais pas, je scopais sur lui, quoi. Abusé, quand même. Affreux. Oui, un kill. Yes. Oh, putain. Oh, non. Et... J'ai toujours l'impression que les quickscopes vont rentrer, mais en fait, pas du tout. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Non, viens là. Ici, j'arrive pas à te voir. Oui, yes. Non, c'est vrai que c'est assez chaud, hein. C'est galère. Lolo, oh lolo, voilà. C'est assez galère de se remettre au snipe sur ce jeu, mais ça, voilà. C'est en fait c'est plutôt un snipe comme du MW2 ou des trucs comme ça. Du coup, ça me déstabilise un petit peu. Pour ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, le quickscope joli, 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 hein. Putain, il y a une IMS là. Ah non, mais c'est la nôtre. D'accord. D'accord. Où il y a quelqu'un? Il y a personne. Il y a quelqu'un. Il y a personne. Il y a quelqu'un. Oh putain, il y a quelqu'un. Non. Je vais essayer de cover ce côté. Oh putain, mais ça arrive de l'autre côté, non? Ah non, c'est en haut. D'accord. Foutre la merde, hein. Oh putain. Ah du coup la zone n'est plus là. Drone de brouillage, oui oui je veux un drone de brouillage. Bon je crois que je prends un colis hein, franchement. On se demande pourquoi je joue en zone de largage. Parce que je prends jamais de colis. Un peu con. Mais bon. Allez. Oh putain. Alors alors. Mais c'est qui est sur le point? Bah voilà. Il est où? Fils de pute. Un colis, oui oui c'est quoi? Hélicoptère d'attaque, ou c'est bon ça? Ok c'est bon ça. On va mettre un petit hélicoptère d'attaque les gars, nickel.
Par contre, on aurait peut-être que je me barre de la zone. Mais c'est qui ce fils de pute là? T'es... Oh, bâtard! Oh là, mais c'est quoi ça? Mon dieu. J'ai fait un truc trop dégueulasse. J'essayais de viser, mais n'importe comment en fait. Ça qui est un truc chiant. Oui! Oh putain, dommage. Je sais pas si je fais. Oh, ça va, du 13. Putain, je fais du positif. Les gars, je fais du positif. Sérieux, là, c'est chaud là. Je fais du positif en zone de largage sur un W3. Sur la Xbox 360, bien entendu. Ça se fait, hein. Oui! Ah non. J'ai eu plus 100, mais je sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord. C'est qui? C'est qui? Ils sont où? Ils sont où, les méchants? Oh putain, défendez la zone, d'accord. FMG9 Hakim, oulala. Oulala. Oh, dommage, dommage. Ça m'a donné une prochaine idée de vidéo, voilà, je pourrais faire une petite vidéo sympa avec les FMG9 Akimbo. Tout le monde sait comment ces armes ne sont pas du tout puissantes, enfin non, je rigole. Elles sont extrêmement puissantes, c'est pour ça que je dis ça. Désolé, c'est un petit peu de l'ombre d'un coup, parce que là, il y a le... En fait, je fais ma télé est en face de la vitre, du coup, c'est pour ça que bah, des fois, quand il y a moins de soleil, il y a de l'ombre sur ma tête, donc je suis vraiment désolé. Si il y a des coins d'ombre, écoutez, je vais essayer de faire avec. Ouh, je sais comment casser. Hop là, coup de couteau. Voilà. C'est ça que c'est bon. Ouh putain. Mais merde. Quel connard. Quel connard ce mec. Affreux. Oh non. Oh non, petit... non, non, dommage. J'ai oublié l'histoire des hitmarkers sur ce Call of Duty. Donc voilà. Je vous conseille de... C'est même pas je vous conseille de jouer à un ancien Call of Duty plus qu'un autre. Je vous conseille de jouer à tous les Call of Duty que vous avez. Et je vous conseille aussi de pas les vendre. Voilà, moi, j'ai plein de potes qui faisaient ça. Vendre l'ancien Call of Duty pour acheter le nouveau, etc. Moi, personnellement, les Call of Duty, j'aime vraiment pas les vendre. J'essaie de tout garder. Je m'étais dit de tout garder pour quand j'allais commencer les vidéos. Mais voilà aussi. C'est nettement mieux, je trouve, de garder ces Call of Duty, quoi, en fait. Hein. C'est pas un truc qui se vend pour moi. Si t'es vraiment un fan de Call of, et ben c'est pas un truc qui se vend. Voilà, qui se redonne à Micromania ou des trucs comme ça. Franchement, je ferais jamais ça pour un Call of Duty. Et donc voilà, voilà. Oh putain. Hop. Je suis sûr qu'il y en a en haut. Ah, non. Par contre, c'est obligé que ça arrive de là, quoi. Si ça arrive pas de là, je m'appelle pas Michel. Je vais essayer de le bloquer. On va essayer de le bloquer. Oh putain. C'est un truc bizarre, ça, non? Ah ah. J'ai empêché ton insertion. Ton... Comment ça se dit? Je sais même plus. Laissez tomber. Ils sont où, les gens? What? Oh, bâtard. Quel empaffé. Par contre, le mec, il va arriver en haut, je crois. Je sais plus en combien de points ça va. Mais il est sérieux, ce squat là, cet enculé? Oh non, PD. Bon, je vais essayer de jouer un petit peu l'objectif. Histoire de garder la zone. Bon, de toute façon, c'est terminé en 50 secondes. Ok, donc j'ai un petit peu près. J'ai à peu près le temps qu'il faut pour essayer de faire quelque chose. Allez, hop, je capture le point. Non, par contre, s'il y a son poteau, l'hélico qui arrive, ça va pas le faire. Hein. Oh oui, j'ai eu. Oh le bâtard, t'as vu comment je t'ai eu? Enculé. Hein. Il a même flashé, boum, quickscope, motherfucker. C'est qui ce... Y a quelqu'un ici ou quoi? Oh putain, faut que j'essaie de passer de l'autre côté. Vite, dernière chance de faire des kills. Ouh, lolo, c'est joli. Oh. Oui, non, oui, oh putain, assistance, ok, 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 allez, on y va. Ah putain, ça bouge dans tous les sens. Il va, on est chaud. Eh oui, encore. Oh non, bâtard. Dommage, dommage. Cette vidéo se sera finie sur un positif. Retour sur W3, sur la Xbox 360. Quel final en plus. Oh là là, joli. Et avec le snipe, franchement. Je trouve que j'ai assez bien joué. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, surtout commenter. Et à me dire sur quel Call of Duty je pourrais faire la vidéo. La prochaine vidéo. Et donc voilà, en tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu.
moi je vous dis à la prochaine et bah ciao ciao les potes, peace, allez salut.